Ce sont 455 projets de fin d'études qui ont été présentés par des étudiants venus des quatre coins du pays. Ces jeunes en fin de cursus ont saisi l'opportunité que leur offre le Salon National des Produits de la Recherche pour exposer leur travail. À travers ce salon, on essaie de mettre en avant-plan, de mettre en valeur les résultats de la recherche. Donc, il y a des structures de la recherche, il y a des équipes, il y a des chercheurs qui travaillent, qui développent des technologies, qui développent des savoirs. Donc c'est l'occasion pour mettre en valeur ces produits qui sont destinés premièrement pour booster un peu l'économie et la croissance économique nationale. Et donc on essaye de transférer ces résultats vers le monde socio-économique. Donc c'est l'objectif principal de ce salon. Des projets dans le secteur des technologies industrielles et des matériaux, de la biotechnologie ou encore des énergies renouvelables, plus innovants les uns que les autres. Alors le produit c'est un réfrigérateur. Par l'effet thermoélectrique, c'est un module Peltier qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Le principe, il est très simple, c'est de remplacer tout ce qui est compresseur et flux frigorifique qui sont très très néfastes à notre environnement par un produit qui est à base de semi-conducteurs qui s'appelle le module Peltier ou bien module thermoélectrique en faisant circuler un courant électrique de très faible tension. C'est un courant avec un courant continu avec une tension de 12 volts. Il va délivrer jusqu'à moins 40, c'est un record de température. On peut arriver dans notre foyer jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Le dispositif, on peut l'utiliser généralement pour la stérilisation des polymères. Alors, on change les caractéristiques, c'est le polymère, mais l'icône hydrophile, hydrophobe. Il y a une application, une deuxième application, par exemple, pour les cellophones, qu'on stérilise et tout. Non seulement novateur, mais aussi avec un focus économique pour la plupart, ces projets tentent de se trouver une place auprès des industriels à des fins commerciales, mais également de manière à bénéficier à la collectivité nationale. Le produit s'attend exactement dans les besoins de notre société. On a besoin de telle sorte de, on va dire, limiter tout ce qui est recueil à l'importation, mais aussi on a des besoins aussi locaux de réfrigération. Notre pays, notre cher pays, c'est un pays qui est dans une région plutôt chaude. Donc on a tendance à au moins ramener avec nous des réfrigérateurs. Motivés par leur passion pour la recherche et l'innovation, ces jeunes créateurs participeront à un concours qui permettra aux gagnants la facilitation de la commercialisation de son produit.